je vous présente Franck, qui va travailler avec nous. Ça me fait tellement bizarre de t'imaginer sur ta chaise avec ton petit uniforme. Tu n'imagines même pas comme ça bouge dans un musée, comme ça fourmi, c'est dingue. Bonjour monsieur, je cherche un tableau où on voit une tête tranchée posée sur un plat en or. Je suis tombée sur un agent de surveillance parfaitement incompétent. En quoi je dois lui rendre des comptes à elle ? Cela pète comme si elle était conservatrice. Mais c'est qu'une agent de surveillance. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vouliez vous tasser sur une chaise comme ça ? Chaque musée se doit de faire l'inventaire de l'ensemble de ses collections. Oh, mais il t'a foutu en équipe avec elle ! Qu'est-ce que tu fabriques avec ces post-it ? Quand je trouve pas un objet, je note la référence pour monsieur Laurent. C'était une mauvaise idée. Ils sont hyper organisés, ils enregistrent tout, ils se préviennent dès qu'il manque un truc. Il est hors de question que je rende quoi que ce soit. 5 euros ces trucs ? Non mais vous êtes malade ! Ils sont où ces objets ? Ce machin qui moisissait dans les réserves depuis des années, il peut tout changer pour nous. Il n'y a pas moyen de récupérer ces trucs ? J'y arrive pas. Le type là-bas. Hey, Stéphane ! Vous vous connaissez comment avec Stéphane ? Bah Stéphane est un client à nous. Il achète. Hein ? Tu payes pas de mine comme ça, mais tu te débrouilles. Moi, si je savais faire ça, j'en profiterais pour embobiner tout le monde. On ne prend plus rien dans les réserves, on va se faire gauler. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? J'ai rendu tout le monde malheureux. C'est peut-être la dernière chance que j'ai d'avoir une vie qui se tient à peu près. C'est à deux qu'on a du talent. On se complète.